On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Génération 0, donc c'est la bêta, niveau graph, niveau justement là, config et tout, il n'y a pas grand chose, même au niveau des touches, donc je suis en je tombe à 40 fps quoi, dans un pas de coup. Donc on est parti, on va se faire celui-là. Ouais, on va se faire celui-là. Donc on va commencer, je vous laisse avec les images. J'avais trop. Je vous dis à plus. Tant que j'ai pas mes raccourcis de touche, c'est un peu galère quoi. Sinon il faut les... Il faut essayer de les isoler... Après il faut essayer d'en isoler un ou deux en fait de... Ah bordel. Mais là je les ai pas vus, d'un coup je me suis retrouvé avec deux devant, deux derrière. De toute façon tous les bâtiments que tu vois tu peux rentrer dedans. C'est obligatoire. Pas dans les garages. Bah si moi y'a un garage que j'arrive à rentrer moi dedans. C'est vrai. Ouais. Il faut essayer de... Faut essayer de regarder s'il n'y a pas des portes sur les côtés ou des trucs du genre. Faut que tu t'approches d'une poignée ou un truc du genre. What? Oh les bandages, yes. J'en avais besoin. Par contre ouais, il y a l'air que les armes ils ont des niveaux d'usure ou des genre. Putain, c'est une blague, il y a encore des robots. Je les avais butés ces trous du cul. Putain. Par contre, c'est quoi ces vitres blindées là, de ouf là. Oh, je me suis pris une sale balle. Ah mais what? Par contre y'a un bug quand tu tires à travers les vitres hein. T'as l'impression que tu tires pas à travers mais en fait si. Tu vois la vitre qui est pas pétée. Donc c'est ça qui est ouf.
Oh, y'a par contre les vitres, c'est buggé. Ça y est, j'ai tous buté là. Yes, I. Ouais, mon inventaire il fout là. C'est cool, on a une Oh, lampe lol. torche sur F. Ouais, y a une petite lampe torche. Pensais qu'il fallait l'équiper, mais même pas. Pareil, au niveau des voitures, tu peux tout ouvrir aussi, quasiment. Putain, de toute façon je dois me foutre un bordage là. Je me donne mal, Bélo. Ouais, je drop les radios par terre, ça me sert à que dalle cette merde là. Bah, des lunettes c'est pareil, j'ai pas besoin d'en avoir 10 000. Je fais un petit peu de tri dans l'inventaire parce que l'eau. Oula, malheureux. Oula. Ah si, les garages, pour les ouvrir, il faut que tu vas au niveau de la poignée. King. Tout se passe au niveau des poignées. Bon, maintenant qu'on les a baisés, on va se barrer. Même l'ambiance avec la musique et tout, c'est pas mal. Alors, la route de Saltam. Ah ok, d'accord, il faut que je passe le pont. Des cœurs. Faut aller loin, après c'est ouf quoi.
Putain, les environnements sont vraiment cool, putain. Ils sont vraiment beaux, quoi. Ah putain, les chutes elles font mal par contre, hein. Faites gaffe, hein. J'ai sauté d'une petite falaise et j'ai perdu 10 HP, quoi. Putain, il y a encore une putain de farm là. Sauf pas que je vois là, je m'en bats les couilles. M'en bats les couilles, hein. Merde. Putain, y a le vent qui monte là, qu'est-ce qui se passe là? Putain, y a un accident de ouf là. Un hot bunker Nora Settlement. Voilà un vieux. Putain, y'en a un qui m'a vu, bordel. Je suis un fils de pute. Désolé. Putain, il y en a encore un là. Putain, c'est quoi ce délire là? Pourquoi ça tire pas là? Putain, je suis mort quoi. J'ai pas compris, j'ai réapparu de où j'étais mort et j'étais de nouveau dans le combat. Bon, j'ai pas compris. Pas grave. Ah. Pourquoi je peux pas m'avancer plus? C'est quoi ce bordel là? J'ai trouvé un truc avec un icône de robot mais j'ai pas compris en fait ce que c'était. Et je peux pas m'avancer plus, quand j'essaie de m'avancer plus, le jeu il veut pas. Bon, c'est pas grave. Tant pis.
Elle est où l'entrée du bordel là? Oh putain! Putain! Le mec il est effrayé quoi! Oh! Non, y a, je crois que vous avez tous descendu, il y a un robot que j'avais pas vu. Ah bah voilà. Enfin, pas qu'un. Je suis dans une ville moi là. On dirait une ville à la Walking Dead quoi. Trop chaud quoi. Avec un petit cabanon là, je vais aller voir ce qu'il y a dedans après. Alors qu'est-ce que t'en penses Tiffany? Ben je serre les fesses. Je serre les fesses. Je suis en train de... Ils me disent de détruire un ennemi, j'ai entendu du bruit, je vois personne. Donc là je m'aventure dans la forêt, là il y avait des taches noires, je vais aller voir ce que c'est sur la map. C'est pas des bâtiments ou des ruines. Ben tu verras bien. Je te dis pas, hein. Débrouillé comme un grand garçon. Bah après j'irai sur la gauche du véhicule de police là. Ah oui t'es là, ok. Bah, c'est tout début. Ouais, tu l'as vu? Dans la forêt, je vois sous le sol. Et entre les deux, ça change directement de... On dirait une fissure. Oh putain! Mais arrêtez, putain! Désolé, y a des trucs qui font peur là. Y a des screamers après, tu feras gaffe, X-Row. Mets ton pacemaker en route parce que. Ça fait peur. Y'a rien sur là-dessus. What? Ah, là, je suis gêné de mettre ma torche, je vois que dalle. My god, ça fait peur. Je suis dans le noir complet là chez moi.
J'ai peur. Y'a des screamers. Putain, mais tu vas tirer, bordel de merde. Putain, mais la vie qu'on perd, c'est ouf, quoi. J'ai l'impression que t'as quoi, du coup. Mais putain. Pourquoi je perds autant de vie, quoi? C'est quoi ce bordel? What? Comment ça se fait qu'il est mort tout seul, lui? Putain, on voit rien, quoi, what the fuck? Oh putain, il y a carrément un endroit où vraiment t'as vraiment pas de lumière, si tu fermes la lumière, ton noir. What? Je vais mettre ça aussi en raccourci, là j'en ai plein, je sais pas c'est quoi de ces merdes. C'est le sur 6. Le petit feu d'artifice. Le petit feu d'artifice. Coup de dent. Ça je prends pas. Ça, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles, hein. T'es arrivé où, X-Roux, là? Je suis toujours à la ferme. Sérieux? Non, je suis pas à la ferme, je suis aux ruines d'après. Ah. Y'a plus d'une dizaine de robots. Ouais, bah je les ai tous butés, moi. Ouais, bah je viens de tous les tuer. Je vais essayer le château. Ça y est, j'ai remis le truc là, yes. Merde putain, qu'est-ce que je suis con, bordel, les misclics là. J'arrive bientôt tout partout, hein, surtout, hein, parce que sinon c'est la galère après.
Ah, sont soignés. Hein. Ouais, hein. Bah c'est propre. Hein. Après, je sais pas, ça a l'air d'être. Ou... Ça a l'air d'être linéaire pour l'instant, mais bon, on verra bien pour la suite. Un skin de baraque et je te fais 50 le. Les baraques collinéaires, ça fait zombie. Ah ouais, les baraques elles sont tous différentes dans le jeu. Alors, il m'a dit d'aller trouver des. C'est plus ce que tu dois faire, t'affiches la map, ça veut dire le dernier truc qu'il faut faire. Ça, je veux pas. Oh, mais c'est tout cool, ça. Je vais trouver des bunkers. La ville, ah. Où je sais plus trop quoi. Ah, mais je l'ai fait moi. J'ai fait le bunker là. C'est où? Bah, tu suis. C'est Sodra peut... machin. Ah, mais ça t'a dit où il faut aller de toute façon, normalement. Ah mais je l'ai plus dans mon truc, il apparaît pas. Il me demande toujours d'utiliser les jumelles à la fenêtre. Sérieux? Ah, bah je l'ai pas fait donc il est resté bloqué là-dessus. Je sais pas comment. Oh putain. Toucher sur les objectifs. Ah t'as voulu couper à travers pour aller descendre plus. Pourquoi il veut pas m'ouvrir cette porte, c'est quoi ce merdier? Bon, je reviens sur ce que j'ai dit, on peut pas ouvrir toutes les portes. Hein. Je pensais, mais non. Mais quand tu meurs, tu reviens exactement au même endroit. Bah, là, il faut les finir. Tu peux te promener un peu. Dernier point. Allez, venez les fils de pute, je vous attends. Aller dans cette maison là, mais j'ai tous les points. Ouais, d'accord, faut déjà que je traverse. Ah, y'a. On est structuré. Putain, c'est con ça. On va nous jouer et finalement, y'a plein d'envie. Pas aller là maintenant.
contre, c'est chiant que sur table tu puisses pas atterrir sur l'inventaire. Je peux chercher un shelter, mais what the fuck? C'est en dehors de la ville ou c'est dans la ville? C'est ça le délire. Genre je peux changer de coupe de cheveux n'importe quoi. N'importe quoi, mec. Ouais, tu peux mettre des cheveux roses dégueulasses. Je peux trop même bien enlever mes piercings. Ouais, là, le réalisme. Bon, en même temps, je pense que c'est un jeu qui se base sur le réalisme. Ça bat les couilles du réalisme. Je crois qu'il pouvait se décaler au niveau du véhicule, mais en fait. Ouais. Non, c'est chiant ça. Tu peux pas te décaler, c'est de la grosse merde. J'ai 15 FPS, il va falloir que Ah ouais, tu vois. Je règle le truc là, ouais c'est pas possible, ouais. Je comprends pourquoi j'ai l'impression de marcher au ralenti. Ouais bah moi je stagne entre 40 et 60 et ça casse déjà les couilles, alors faut pas demander à 15 FPS. Ouais. Alors là il y a un sac mais on peut pas le prendre. Trop bien ça. Putain, c'est quoi de ces maisons qu'on peut pas ouvrir hein? On peut pas nager dans le jeu. Au passage. J'essaie d'aller dans la flotte et le mec au bout d'un moment il s'arrête d'aller dans la flotte. Je me montre c'est un jeu de coups en fait. C'est chelou quand même.
Ah mais c'est de la merde ce jeu. Tu peux trop téléporter à ton... Dans le truc d'avant, juste tu cliques sur la map, tu fais téléporte machin, puis paf, allez hop, tu te téléportes. Non mais what the fuck quoi. C'est quoi cette blague? Je crois que c'est celui-là, le Settlers, là. Le shelter de ouf, là. À mon avis, pour faire le multi, faut vraiment finir la toute première map, en fait, c'est ça le délire, je crois. Tu vois, le groupe deal en bas, en fait. Ouais, peut-être histoire de te familiariser un peu avec le bordel. C'est un peu long comme tuto, hein, putain. Tu me fais penser à un truc, je crois que je me sers pas assez des jumelles en fait. Bah, je sais pas, je suis au sommet, j'en profite. En fait, les garages, on peut les ouvrir. C'est plutôt joli. Hein. Ils s'ouvrent de l'intérieur. Bah, mais si t'es à l'extérieur, tu fais comment? Vu qu'il y a qu'une seule porte. Tu peux les ouvrir. C'est pas un gros méca. Avec des petits. Pour l'instant, j'en ai vu qu'un seul saute. Ouais, moi non plus, j'ai pas vu de gros méca pour l'instant non plus. Putain, mais c'est quoi ce qui est mort dégueulasse qui sert à rien quoi. Ah, j'ai un bunker devant moi. Bon, après le bunker, j'ai du mal à trouver. Hein. Faut faire te le dire. Je rentrerai déjà entre le bunker. Oh, je fouille pas partout hein, parce que mes couilles hein, sinon j'ai pas la fouiller là, ça va me casser les couilles. Je sais même pas ce que je dois trouver là, ça me casse les couilles.
Ouais, par contre, les vitres elles se pètent pas, y'a une sorte de bug, là, je sais pas quoi, dégueulasse là. Ouais, t'entends les débris, mais tu vois pas les. Pour moi, y'a pas d'impact. What? C'est quoi ce truc? J'ai détruit un truc volant dégueulasse. Au niveau du bunker? Non, non. Après, bien après le bunker. Je sais pas si c'était quoi par contre. Putain, je sais même pas où je dois aller là en fait, putain, c'est trop bordé là. C'est là cette meute qui voulait. 09 ça mette. Payback mission. T'as vu des gens toi? Rien de personne pour l'instant. Hold the petenter. Ils disent qu'il y a quelqu'un sur la carte, ils disent qu'il y a quelqu'un à l'église là. C'est fou chier. Je comprends pas ce que je dois faire, putain. Ah oui, ça passe à travers. Oui, tu peux tirer toi aussi à travers les vitres. Par contre, tu la balle, tu la vois pas passer à travers. Hein. Je sais pas, c'est chaud. Je sais pas, c'est bizarre quoi. C'est trop chaud comme truc. Les indices ou je sais pas quoi, mais je vois pas moi là le truc de avec les indices là. Voilà, mon cœur j'arrive pas à rentrer dedans, y'a quoi à faire. De quoi t'arrives pas à rentrer dedans? Bah je suis dans le conteneur où y'a le truc de robot là. Ouais bah tu dois buter les petits robots et tout, puis après tu dois descendre. Et après tu dois aller allumer la lumière. Parce que là il fait noir là non? Il fait noir là dans le bunker où t'es non? Non je pense à quoi. Y'a un truc avec un compteur, je sais pas ce qu'il y a à faire. Je sais pas, moi j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Ils disent de trouver un chemin, mais je sais pas de quel chemin ils parlent quoi. Il faut trouver un shelter. Search a shelter for the clue to wait everyone this.
Le clou, c'est les indices, quoi. Mais les indices de quoi? On n'a pas le temps de lire et on n'a même pas un récap des indices qu'on a ou je sais pas quoi là. Ah si, d'accord, j'ai compris, c'est là. Locate and explore the bunch. The shelter power off. Search the shelter floor. Il faut que je retourne dans le bordel en fait pour trouver des indices. Je suis UHF Dark Zone. Donne le signal interférence. Et je sais pas ce qu'il y a à faire. Putain, je dois faire quoi? T'approches d'eux et ils dégagent une espèce de d'onde autour d'eux. Alors ça, je sais pas du tout. Si, si, il y en a un, je les rush, il s'est mis à péter sur place et il m'a lâché une espèce de truc de plasma dans la gueule là. Bon bah sur ce, on va se quitter là, hein. Je vais aller faire des deux. Oui. Ouais, il est minuit 13 là. Ouais, je me lève tôt. Voilà, moi je vais un peu continuer histoire de comprendre le bordel, j'ai pas compris un truc. Je trouve pas l'entrée. Moi. Bah moi je suis dans le bunker mais je sais pas, il me dit quoi là. J'ai fouillé tout autour, j'ai déjà fait 10 fois le tour ce putain de bunker. Qu'est-ce qu'il veut là? Pourquoi il veut m'amener ici au milieu? Il y a quoi ici au milieu? J'espère que cette première partie vous aura plu, on se retrouve pour la suite et vous trouverez toutes les infos en description en bas de la vidéo. Voilà, sur ce je vous dis à plus pour la suite, ciao ciao tout le monde. J'ai pas trouvé l'entrée des bunkers, je suis passé de à côté ou tout. Bah t'as une porte rouge normalement, sur le côté. Sur lequel il y en a plusieurs. Sur le du côté du pont sur la droite sur la sur le haut. Okay. Mais là, je comprends pas ce qu'il veut que je fasse, putain. Ah c'est ça je crois. Ah j'ai trouvé. Oh putain. Bon bah vas-y bah, je te dis pas, bonne galère. Amuse-toi bien.